Après le final explosif du tome 1, Abigail, Cassie, Shumani, Daisy et Kathleen sont en cavale et tout l'Ouest, ou presque, est à leur recherche. Avec une prime de 1 000 $ par tête pour retrouver des gonzesses, ça semble tout simplement de l'argent facile. Dans cette situation quelque peu délicate, nos ladies vont devoir trouver des solutions pour s'en sortir. Comment fuir quand tout semble perdu? Qu'y a-t-il dans le tonneau que Kathleen veut récupérer coûte que coûte? Et surtout, comment survivre?